J'en peux plus, je te dis. Je tombe toujours sur des mecs qui disent j'aimerais bien apprendre à te connaître et ils me donnent rendez-vous à 22h30. Moi maintenant, j'aimerais bien qu'on apprenne à me connaître, mais à 18h. Parce qu'il fait jour à 18h. On est obligé de se parler à 18h. On se regarde dans les yeux à 18h. On boit pas 5 shots de tequila avec un œil qui démerde à l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et au boulot, là, c'est pareil. Attends, ma boîte, il me demande de valider des crédits à des gens dont on est sûr qu'ils pourront jamais rembourser. Comme ça, après, on revend tous les crédits à une autre boîte qui, elle, travaille avec les huissiers qui débarquent chez les gens. Toi, par exemple, t'en penses quoi? Éthiquement, c'est pas ouf, ouf, non? Tu vois, je me dis, j'arrive en soirée pour draguer. Tu fais quoi dans la vie? Moi, bah, je ruine les gens, comme je vais ruiner ta vie. Ça marche pas, en fait, tu vois. Moi aussi, j'aimerais bien démissionner, mais moi aussi, j'ai le crédit de l'appart. Franchement, j'ai l'impression que tout le monde a une vie de ouf, sauf moi, quoi. Tu vois, le soir, je me couche, j'ouvre Insta, j'ai envie de me pendre. Je vois toutes mes copines, elles ont des combats, des idées, des soirées, des voyages, des culs de ouf, quoi. Tu vois, il y en a, elles ont eu 3 enfants, elles ont des culs de ouf, quoi. Je sais pas quelle version d'iPhone elles ont, mais... Tu vois, moi, même de dos dans le noir avec 3 filtres, je la poste pas la mienne, tu vois, en fait. J'ai essayé pourtant une fois, hein. J'ai essayé, hein. J'ai demandé à un gars de me prendre en photo devant le meilleur glacier d'Antibes. J'étais là, en maillot de bain, avec mes 2 boules. Basilic citron, je me faisais pitié. Il y avait tous les gens dans la queue qui me regardaient, tu vois, je me disais, souris vite et casse-toi. Et je voyais les gens dans la queue, tu sais, ils avaient de la peine pour moi. Si, je le sentais dans leur regard. Eux, ils avaient de la peine, moi j'avais de la peine, tu vois, on avait tous de la peine. Et en même temps, je sentais qu'eux aussi voulaient la faire, la photo, tu vois. Alors j'ai dû en prendre 15, j'étais horrible sur les 15. Et sur la dernière, j'avais les boules qui avaient fondu, tu vois, j'en avais partout sur les mains. Et après, je me suis fait double peine. J'ai quand même posté une photo que j'aimais pas. Et j'ai écrit que hashtag ma boule, elle est trop bonne, tu vois. Alors que j'ai jamais goûté la boule, tu vois. La boule, en fait, la boule, j'ai jamais goûté, en fait. J'ai jamais eu le temps de la goûter, la boule, en fait, tu vois. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais tu vas me dire, Insta, c'est du fake, mais dans la vraie vie aussi, hein. Je suis désolée, mais moi, à chaque fois que je vois un pote, tout le monde dit tout va bien, tout le temps. Tout va bien? Bah ouais, tout va bien, toi? Bah tout va bien, super. Personne te dit, bah non, écoute, c'est bien que tu demandes, parce que, tu vois, avec Tom, bah, ça fait 2 ans qu'on baisse plus, hein, on n'a pas eu le pré-relais, et le gosse, il est pas du tout HPI, il est complètement teubé, en fait.